le palais impérial, ça fait deux fois combien? Ça fait deux fois qu'on vient et en fait on pensait qu'on pouvait visiter les jardins intérieurs, en tout cas certains jardins, sauf qu'on a vérifié sur internet et il s'avère que c'est impossible de rentrer à l'intérieur. En tout cas, on ne peut pas rentrer sans visiter et pour tout le mois d'août, il n'y a aucune visite qui est proposée. Donc en fait, ça fait deux fois qu'on vient le matin pour rien et qu'on perd du temps. Donc on va partir et faire une autre visite. On est arrivé au parc du temple Meiji Jinja et juste à côté, il y a un centre Shinto, donc on va visiter le parc. Ça a l'air super sympa. Ici, on peut voir des dizaines de barils de saké qui sont une offrande de la part de l'association des producteurs de saké japonaise pour l'esprit de et l'âme en fait de l'empereur Meiji et de l'impératrice Shoken qui vivraient dans ces lieux. Et tous les ans, ils donnent des barils de saké en offrande. Ici, on a aussi une offrande, ce sont des barils de vin qui viennent de France, de Bourgogne et qui sont offerts aussi pour l'esprit et pour l'amitié entre la France et le Japon. Et en fait, ça symbolise l'ouverture du Japon pendant l'ère Meiji sur la culture de l'Ouest. Et l'empereur Meiji était vraiment fan de vin français et c'est pour ça qu'il y a autant de barils de vin. Je le secoue, c'est ça? Et après, regarde le numéro. Numéro 9. Ah bah tu vas avoir la même chose que moi. Ah, bah j'espère que c'est un bon truc. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a que des numéros 9. Voilà. Alors là, c'est le moment où je me retiens de tout acheter. Tous les goodies Harry Potter, trop kawaii. Serviettes. Avec des Harry Potter mignons.
Japanese green tea. Tea? This. Arigato. What brand? It's tea? Mint brand. Okay. Buckwheat. Buckwheat honey. Arigato. Il est super bon. Il a un goût de ouf. Il a un goût hyper fort, mais je sais pas, c'était quoi comme goût, t'as dit? C'est quoi? Buckwheat. Je connais pas cette fleur. On a goûté le thé au sakura, le miel au sakura, et c'était super bon et super doux. Et comme on n'en a pas en France, on a tous pris un petit pot de miel. Ça doit faire à peu près 100 ml je pense. Et c'est dans les... c'est 1350 yens. Donc une dizaine d'euros. On vient de se faire engrainer par une japonaise trop mignonne, trop adorable. Elle veut même nous faire un cadeau. Elle nous a trop kiffé et elle parle super bien en anglais. Elle est trop mignonne. Et elle nous a fait goûter une boisson à base de lait de soja et de riz brun. Et du miso. Yeah. Okay. Good. So good. Oh, c'est miso. Hi. Second time. Et du coup, Jason a très très envie de d'acheter le deuxième goût qu'on a goûté. Ah, brown rice. This one. Yeah. See the red beans. Ah, c'est qu'il y avait du haricot rouge dedans. And brown rice and red beans, this one. Ah, il y a de la pâte d'haricot rouge dedans, c'est peut-être pour ça que c'était hyper doux le deuxième. C'est ça le goût. Yes. Oh. You want to buy this one? Yes. Du coup, elle est trop étonnée qu'on veuille acheter un truc. Elle s'y attendait pas. Elle nous a fait goûter plein de choses, elle est adorable. I'm sorry, where I'm from? France. Yes. From Paris. Oh my god! I'm a France dancer. Yannis Masher? What? Yeah, Yannis Masher. Yes, yeah, in Japan. Yeah! Oh, it's amazing. Yeah, no. Come Japan, no. Really? Yeah, dance studio. Oh my god! amazing! I love him so much. C'est un danseur français. Sur talons. Ouais. Des talons aiguilles. Ouais. Yeah, heels and dance. Et il est incroyable, yeah. Mais vraiment. Yeah, I'm so sexy. Yes. Yeah. Oh my god. Donc, on est tombé du coup sur un marché japonais de produits locaux, c'était excellent. On a acheté du miel de sakura. Hop. Et surtout la jeune fille qu'on a rencontrée juste après, qui nous a fait goûter des boissons typiques de sa ferme, c'était génial. Elle parlait super bien anglais, elle a adoré Johanna et ses cheveux. Et du coup, on lui a acheté un truc, on se sentait obligé, elle était trop mignonne. Voilà. On est en train d'arriver à Shibuya et on arrive à apercevoir au loin une marée humaine. Je pense qu'on arrive au fameux passage piéton. C'est le plus grand passage piéton du monde. Et je vais pas pouvoir continuer à filmer parce qu'il pleut trop. Là, il s'est mis à pleuvoir et du coup on s'est arrêté. En fait, c'était un orage de malade. Genre, quand ça pétait, mais ça fait trembler tous les bâtiments. C'est un bruit de fou. Du coup, il pleuvait des trombes d'eau dehors et les autres, ils ont décidé de rentrer. Et moi, en fait, j'ai vu que de l'autre côté du passage piéton, il y avait une sortie de métro. Donc, je me suis dit, il y a peut-être moyen de passer par en dessous pour éviter de se prendre un mat de pluie et essayer quand même d'aller voir les magasins qui sont en face.
Donc je suis passée par en dessous de la gare de Shibuya, il y a un centre commercial, et je suis tombée sur un food market, ça s'appelle Food Show. Il y a plein de bouffe, donc je vais filmer ça, et puis j'espère que je vais réussir à passer de l'autre côté sans être totalement trempée. Au début, quand on est arrivé, on a un peu stressé parce qu'on avait la carte totalement en japonais, mais il s'avère qu'ils avaient quand même une version en anglais, donc c'était cool. C'est vrai que j'étais quand même partie pour aller prendre vraiment au hasard. Moi j'étais partie pour prendre au hasard aussi. Deux comme ça, sur du coup, j'aurais tellement été en PLS. Et du coup, on a commandé pas mal de trucs, quoique 5 ou 6 chacun finalement, c'est pas grave. Grâce à cette carte. Voilà. Qui est en anglais. Et puis en fonction de ce qu'on aura, on refera peut-être une commande. Ouais, c'est ça. On verra qu'est-ce qu'on reçoit et si on a encore faim, on se sert. J'ai grave peur avec ce truc. Attends, j'allais prendre un truc. Ouais. Ça sent super fort. C'est quoi Adji? Moi j'en ai pris deux, c'est ça. Ça t'en as pris un. Adji, c'est. J'en ai pris deux, moi Adji. Moi j'en ai pas repris de Adji. Ah si, il y en a un là et un là. Adji, c'est. Écrevisse, Adji. Mais non, c'est horse mackerel. Attends, moi j'ai... Non, j'avais pas pris Adji, j'avais pris... Si, j'avais pris Adji. Si, Adji 1, 2, 3, 4, bah il y en a deux chacun. Et ça, c'est pour le petit déj, c'est fou. Comme ça, j'en ai pas pris. Pas du tout, ok. Je sais pas ce que c'est, on dirait une huître. C'est une huître? Non. Oh, c'est archi pas bon. Non, c'est pas rare, moi. Je sais pas ce que c'est. C'est pas toi qui m'as dit c'est super bon? Non. Elle t'a dit, Mélina, elle t'a dit c'est pas bon, et moi je t'ai dit arrête Mélina, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Ouais, c'est vrai, hein, il y en a qui aiment pas. Le japonais mange le natto avec. T'avais déjà goûté ça petit déje... Oui, j'en avais déjà goûté en France, c'était immonde. T'avais déjà goûté juste ça c'était dégueulasse. J'en ai jamais goûté moi perso, je sais que c'est pas bon. Elle savait que c'était pas bon, et toi t'as goûté, t'as trouvé ça dégueulasse, et tu m'as laissé prendre ça, sérieusement. Mais c'est parce qu'on n'a pas le même goût. Mais t'es une merde. Sombre crotte. J'ai envie de goûter, mais j'ai peur. Vas-y, hein. Voilà, tu fais pas calopette, hein. Un jour, je me rends la bouche. Marvin, il va encore nous sortir le... Ça passe. Ça passe. Non, mais honnêtement, je sais pas si j'ai pas de goût. J'ai pas de goût dans la bouche, honnêtement. Sérieux? Ah, c'est quand t'avales que ça... Si même Marvin trouve ça dégueulasse. Non, mais c'est chelou en bouche, honnêtement. Est-ce que vous avez mis de la sauce soja ou vous l'avez goûté nature? Nature. Mangez nature. Enfin, c'est salé de base. Ça dit que je m'en fous, en mangeant aussi. Ouais, ah non, mais je sais déjà c'est non, quoi. Non, mais ton goût, t'as mis tout à l'heure. Moi, je suis désolée, mais... Ah non, moi, non, j'ai dû bouffer une grosse boîte entière. J'en ai rien à foutre. Et moi, j'ai pleuré ma race. J'en ai rien à foutre. T'as à cause de toi que j'ai fait ça. Tu lui as fait acheter de la merde, maintenant tu l'as mangé. T'as un truc de périmé. En plus, là, t'as la version japonaise, tu vois. T'as la vraie version. Je vais goûter. Là, t'es direct, là, dans le ghetto. J'ai peur. Au début, tu vas rien sentir de bizarre. Et petit à petit, ça va se diffuser. Ah! Voilà. Ça fait un ballon pour cracher. Ça, c'est diffusé. Faut avaler. Ah! Faut avaler, les gars. Ah. Je peux pas. J'ai un gros rire. C'est très bon. Jason? C'est là. C'est super bon. Jaloux. On a un PLS là ou pas? Deux? Je vais vomir. Quand le goût se diffuse. C'est immonde! T'as l'impression qu'il y a un truc périmé dans ta bouche. Ah, faut que je me rince la bouche. Je vais manger ça. Tiens, c'est quoi? J'ai pris un truc pour Radis, ça devrait être. Ouais. Je vais prendre mes petits maquillages. Pour du gingembre, oui. Moi, je sais. Ouais. C'est avec ça qu'on se rince la bouche? Ouais. Genre, tu manges comme ça? Ouais. Rince-moi bien la bouche. Mais mange un petit bout, hein, parce que ça pique. Toi, t'aimes trop me mettre des disquettes. Moi, je fonce dessus. Mange un petit bout, hein. C'est toi qui as un problème alors. Il y en a qui aiment pas. Moi, je déteste le gingembre. J'aime pas ça non plus. Mais. Voilà, moi je déteste ça. Si même Marvin a trouvé ça dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse les glaces. C'est chelou. Faut avouer. Il a pris une boisson qui a le goût du Doliprane et une autre boisson qui avait le goût de l'eau au maïs grillé. Quand Marvin te dit que ça passe, ne mange pas. Ne mange pas. Parfois vite.